Bonjour l'hypokerstratège, Steinpil 0104, alias Daniel, pour pokerstratégie.com dans la deuxième partie du thème J'ai reçu mon capital de départ. Donc, en principe, comment se lancer et gagner avec le capital de départ? Cette partie fait partie d'une série qui a les thèmes suivants. Vous voyez, on parle de trois parties, puis ensuite on aura quatre vidéos. C'est une question de volume. L'introduction, les règles à respecter, commencer à jouer, la maîtrise de la bankroll. Vous avez vu, je pense, ça dans la première vidéo que vous avez pu visionner. Cette partie traite de la stratégie Big Stack, BSS, Big Stack Strategy, avec des exemples pratiques. Et au vu de la réalisation, j'ai constaté que la vidéo devient relativement volumineuse en temps et j'ai un accord avec les admins structuré, séparé de la manière suivante, c'est qu'on va d'abord parler de cette stratégie BSS avec des exemples concrets et dans une deuxième vidéo, je rentrerai dans le jeu concret pre-flop et post-flop. Je constate une petite erreur, on va vite la changer. Vous la voyez maintenant correctement. Je pre-flop et post-flop avec des exemples. L'essentiel par rapport aux articles stratégiques que vous avez vus, c'est que je montre des exemples concrets de jeux que j'ai joués moi-même, soit dans NL2, soit dans NL25. NL2 pour faire mes vidéos stratégiques et NL25 dans mon jeu normal à 6 sièges. Quand on aura terminé la deuxième partie, je passerai au tracker éléphant, faire une introduction de ce tracker qui est relativement demandé. J'ai constaté ça surtout dans le support technique. Concrètement, dans cette vidéo, la petite introduction générale qui fait partie maintenant, qu'on traite maintenant, et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet avec la stratégie BSS et les exemples concrets. On va traiter en général comment réaliser des gains en no limit hold'em. Vous voulez jouer, vous êtes sur pokerstrategy.com et on veut vous donner les outils de manière à ce que vous gagnez. Donc, pour savoir ça, il faut savoir comment vos adversaires jouent et pourquoi vous pouvez gagner. En résumé, si les adversaires font des erreurs, vous pouvez profiter de ces erreurs. Et en fonction de ces erreurs, je vais définir votre comportement pour pouvoir gagner. J'ai des exemples concrets, vous les verrez, et on va passer au vif du sujet. Maintenant, la clé. C'est pour ça aussi que vous jouez aussi, je pense, au poker. C'est que vous voulez gagner. Donc, la question primordiale, si on veut gagner, c'est comment réaliser les gains dans nos limites hold'em. Cette question est clé et quand je joue dans nos limites 2 ou que je joue en nos limites 25, vous le verrez aussi aux statistiques qui seront affichées. On voit que les règles de la Big Stack Strategy ne sont pas respectées. C'est aussi ceux qui jouent comme ça qui vous fournissent vos gains. Bon, peut donner il y a quelques occasions de perte, ça arrive, mais en principe, c'est de ceux-là qui respectent pas ces limites, ces règles qui fournissent vos gains. Donc, vous observez quelles erreurs les autres joueurs font aux limites inférieures. Limites inférieures, c'est nos limites 2, nos limites 4, nos limites 10, nos limites 25, éventuellement même nos limites 50. Bien que nos limites 25 et 50 contiennent déjà des joueurs réguliers, des regs, comme on dit, qui sont relativement bons dans leur jeu. Et ce qu'il vous faut faire, c'est exactement faire l'inverse pour en tirer un profit maximal. Les erreurs que vos collègues, que vos adversaires font sont la source de vos gains pour gagner au poker. Donc le principe de jeu de la Big Stack Strategy, c'est observer ces erreurs et les erreurs que la plupart de ces joueurs font sont, ils jouent trop souvent. S'ils jouent trop souvent,
ils ont trop souvent de mauvaises cartes. Concrètement, si maintenant je lance le Equilab, et je mets par exemple 50%, et je regarde un joueur qui joue 50% de ses cartes, il joue tout ça. Éventuellement, il jouera peut-être pas ça, mais il jouera peut-être ça. Ça donne toujours à peu près 50%. Donc on voit ici 50,68. Si maintenant vous jouez un joueur qui joue 70, c'est-à-dire 70%, et vous regardez ce qu'il joue, il joue vraiment énormément de cartes. Donc il faut se demander avec quoi il va gagner quand il jouera 7-4 suite. Suité, par exemple 7-4 en carreau ou 7-4 en cœur, les chances qu'il a à gagner contre quelqu'un qui joue serré, par exemple qui joue que 18% de ses cartes, sans maintenant tenir compte de la position, parce qu'en position primaire, vous jouez moins et vous jouez plus. Donc, un joueur qui joue 18% a un énorme avantage par rapport à un joueur qui joue 70 ou 70% de ses cartes, même 50%, il le domine très souvent. C'est clair qu'il peut se faire avoir, il y a des situations où on peut se faire avoir, mais il a un avantage net et de se faire dominer. Donc, il joue trop souvent. Pour gagner contre ces gens, il faut jouer moins et jouer serré ou tight. Il joue de manière trop passive. Alors, jouer trop souvent, on va d'abord prendre un exemple. J'ai quelques exemples ici pour jouer trop souvent. Je passe dans mon Hold'em Manager, je sors le Replayer. Et vous voyez les cartes ici. Normalement, on ne les montre pas quand on fait des analyses, mais vous voyez les cartes. Et puis, si on regarde les analyses, par exemple de celui-là qui n'a pas joué, il a un 57% de VPIP. Le VPIP, c'est le pourcentage volontaire d'argent mis en pot. Alors, ça, qui joue 57%. Celui-là, il a 14%. Bon, il a peu de mains, ce sont peu de mains, mais ça fait rien du tout. C'est pour le principe pour vous montrer. Donc, il joue peu, normal. Celui-là, il a 86%, et on voit déjà ses cartes, il joue As-4, non suité. À 86%, c'est quelqu'un qui joue beaucoup de cartes. Et si on regarde le déroulement de ce qui se passe, d'abord, puis on verra ça, il joue passif, on le verra dans un autre exemple après encore, il joue passif, il limp, c'est-à-dire il colle, et il ne relance pas. Et, bon, moi je me couche, c'est logique, avec la dame et le 3. Et celui-là qui joue 71% fait une relance minimale. Donc c'est pas agressif, parce qu'une relance minimale, c'est presque la même chose que coller. Avec ces cartes, 9, 8, suité de carreau, cette personne qui s'appelle, bon, on verra après, Dr. Odds, il a un très bon nom parce qu'il calcule les odds, il se dit, celui-là va pas de toute façon relancer, donc si je suis ici, j'ai avec mes 9, 8, pour 9, 8 suité, d'excellentes chances pour gagner le pot. Il suit donc. Et le collègue là derrière, il suit. Et on voit la situation avec ses cartes mauvaises. Ici, il est en très mauvaise position pour gagner le pot. Et ce qui est intéressant, il a du mal à se séparer de sa main. Il suit. Il n'a aucune chance. Si vous regardez ses cartes, il a même pas un gutshot. Il n'a rien du tout. Il a juste son as qu'il attend. Donc il suit. Il a du mal à se séparer de sa main. L'autre, il fait un bluff au mauvais moment, parce que il peut s'imaginer que celui-là, avec un board comme ça, avec des cartes comme ça sur la table, l'autre ne va pas se quitter de sa main si rapidement. Et il est logique que l'autre colle et il se fait avoir très joliment par un brelan de 8. Celui-là qui a très bien joué sa main, à mon avis, et celui-là très mal joué. Donc ça, c'est un exemple typique de jouer trop souvent. Et maintenant, on va encore montrer un exemple de jeu de pas trop passif. Ici, on a pratiquement tous les exemples. On a ici un cas ici que j'ai ici pour vous montrer.
Mes cartes ne sont pas typiques. Le Spartak 1900, etc., il fait avec As 18 et au cut-off, il ne mise pas, il colle. Donc ça, c'est beaucoup trop passif. On voit d'ailleurs dans ces statistiques, 58, ici j'ai 31 mains, 58%, on voit qu'il relance très peu, il relance 6%. Si on reprend maintenant, je l'ai déjà descendu, on le remonte rapidement. Le Equilab, 6% donne un éventail très serré. Donc avec As-10 suité ici, il ne relance pas. Donc bon, sur 31 mains, c'est un chiffre relativement approximatif. Mais je pense qu'il relance au maximum même un éventail de ce type-là. On arrive à 5,88%. Donc c'est relativement bas. Donc si on reprend maintenant notre exemple ici, il ne relance pas, il joue beaucoup trop passif, et la logique que le big blind se dit il est passif, je relance, et il continue à jouer passif, il fait un call, bon il a très bien touché les cartes du flop, et on voit, il ne fait pas de relance, il est très passif, il aurait beaucoup plus pu tirer probablement de cette main que le pot qu'il a touché. Ceci comme exemple, joué de manière trop passive, donc il gagne pas assez. Il aurait relancé, bon, il aurait relancé un prix flop, il aurait gagné le pot au départ, mais c'est le truc pour se faire avoir avec de relativement bonnes cartes si on n'est pas assez agressif. Du mal à se séparer de leurs mains. Un exemple intéressant que j'ai ici, c'est As-Roi. C'est une main qui n'a pas été jouée typiquement selon la définition générale de la Big Stack stratégie, mais simplement pour montrer que cette personne, elle dit que 99, il bluffe au mauvais moment. Il ne peut pas séparer sa main et on voit ce qui se passe. En fait, il fait une relance minimale avec As-7. Cette relance minimale, mal, au vu des statistiques qu'il a ici, je l'estime comme relativement faible. Et la relance de raise ici est pour moi un exemple typique de 3-bet où on veut voler le pot. Il a peut-être ici dans ses cartes un 10-10, éventuellement valet-valet, peut-être dame-dame. Je ne pense pas qu'il a As-As ou As-Roi, au vu du fait que moi j'ai As-As ou une paire de rois, au vu du fait que moi j'ai déjà les deux cartes As et Roi, je pense plutôt comme ça. Dans cette situation, je me dis, je suis très bien avec mon As et mon Roi, ou je touche et j'ai une toute sur un pot relancé, j'ai des chances, ou je ne touche pas et le collègue avec As-7, que je ne savais pas naturellement, dans cette situation, il colle en plus. Le board, il est très favorable pour moi. J'ai top pair, top kicker. Je pars du principe que j'ai les meilleures cartes. Mais il est logique, au vu du relanceur, je check pour le relanceur. Et le collègue là, held. Il fait ce qu'on appelle une donk bet, c'est-à-dire il lance une donk bet, il veut savoir où il en est, à mon avis, ce qui est au niveau de trois opposants, dont un qu'il a trois bêtés, très risqué, quelque chose que je ne ferai pas. Donc en principe, avec ces trois bêtes, celui-là se couche et moi je fais une relance, il devrait, aux fonctions du pot, il devrait en principe se coucher. Et là, il y a le problème, c'est qu'il veut faire passer un bluff inutilement en se disant que j'arriverai peut-être à le faire tomber, je colle pour ne pas faire grossir le pot et il relance encore. Et mon estimation au départ était juste qu'il a en principe très mal joué et ça m'a donné un joli pot. Simplement pour vous montrer du mal à se séparer de sa main, il y a cet aspect
active qu'on a vu là et dans l'exemple avant, ici qu'on a eu avec la première que je vais vite ressortir, c'est celle-ci, où on a vu que celui-là, au niveau passif, a aussi du mal à se séparer de sa main. Accepter de trop payer avec, par exemple, leur main spéculative, ça vous constatez très rapidement. Vous avez une bonne main, par exemple, top pair, top kicker, et vous faites une mise à au flop, une mise à la turn, et les adversaires le call, et vous faites une mise à la rivière, et il se couche. Sur la table, il y a une couleur, un tirage couleur. Donc ça, c'est typique. Pas besoin de démonstration. Si vous, par contre, si vous, sur la turn, vous recevez une relance, là, il faut aussi penser que vous êtes derrière, vous êtes battu, par exemple, par un brelan. C'est à vous d'estimer les éventails des mains des adversaires pour savoir que faire dans ces cas. Éventuellement, donner une deuxième relance ou pas la donner avec votre top main. Mais au cas où vous avez un tirage couleur, je vous conseille de vous donner, de donner une relance, de miser sur la turn. Les joueurs des basses limites font de grosses erreurs aussi au niveau du bluff. Ils bluffent trop et au mauvais moment. C'est-à-dire, en fait, ils font grossir les pots, ils font bluffer, ils ne tiennent absolument pas compte de la situation et de l'adversaire et de ses actions. J'ai en relation aussi avec le deuxième point, ne pas être attentif à la position de la table. J'ai un excellent exemple ici d'un joueur ici qui va aux fraises de manière royale. C'est-à-dire, en fait, je joue mes 4 big blinds avec As-Roi en position, en deuxième position, en fait. Il me relance. Donc, on voit aussi aux statistiques 46-38 qu'il est relativement agressif, même si j'ai que 24 mains. Il me relance, il a une cote de 3 bêtes avec peu de mains, ça ne veut rien dire, mais il a quand même 37,5%, il l'a fait déjà plus d'une fois. Donc, il est relativement agressif. C'est-à-dire, il est bon, il est en position, ça c'est un avantage, mais il se trouve en position relative derrière, après moi, et il reçoit une 4 bêtes de ma part. Il ne tient absolument pas compte de cette 4 bêtes, il se dit, bon, je colle, on va voir. Donc, s'il réfléchit un peu à ce que je peux avoir en faisant une 4 bêtes, quand à ce niveau, au bas niveau de nos limites 2, quelqu'un qui fait une 4 bêtes, qui est relativement peu agressif, en fait, moi, je ne suis pas tellement agressif, on voit ça, mes stats, c'est les sirènes d'alarme qui doivent aller à fond. Au vu de cette board, il peut s'imaginer que faire une 4 bêtes sans un as, c'est un certain risque. Et comme je fais une continuation bet, il relance encore. Et la relance, même s'il fait cette relance en se disant, ouais, il bluffe, il fait simplement sa continuation de bet, en tenant compte du fait que je fais une 4 bêtes, je dois pratiquement avoir un as, ou en tout cas être très fort. Moins possible de dames, une paire de dames, une possible paire de rois, c'est la seule chose qui réussirait à faire folder avec son action préflop. Mais il peut s'imaginer qu'en relançant de cette manière, seulement quelqu'un de très fort va le surpasser. C'est ce que je fais. Je colle et puis il se fait avoir à la fin. Donc, ça c'est un exemple relativement typique de quelqu'un qui joue trop agressif, qui surestime sa main et puis qui fait grossir le pot beaucoup trop grand. Il aurait collé avec sa dame et 10, il aurait certainement aussi peut-être perdu, mais il aurait perdu encore une deuxième bête. Mais il peut s'imaginer que si à la turn je relance encore une fois, la chance est petite qu'il se fasse avoir. Donc ça c'est un exemple typique de ne pas faire grossir les pots avec des mains pas trop fortes, qui vous permet aussi, vous, quand vous avez une main forte, de gagner des gros pots. La position à la table, c'est souvent, il joue beaucoup trop de mains en première et deuxième position, ça se voit aussi dans les statistiques si on regarde le détail. Quelqu'un qui joue beaucoup au début, il est toujours en arrière, il est toujours, il a pas les, un désavantage par rapport à ceux qui sont derrière. Donc, ne jouez vous pas beaucoup de mains en début de position et
Quelque chose qu'on ne peut pas montrer comme exemple, c'est pas respecter une bonne gestion de bankroll. Donc, si vous avez une bankroll de 100 dollars, puis vous jouez No Limit 25, avec 4 tables ouvertes, vous avez toute la bankroll sur la table et vous perdez. Et même si vous jouez à 200 ou à 300 dollars ou euros, vous avez toujours peur de perdre de l'argent. Donc, ne vous jouez pas votre A game, votre jeu A. Folio suivante, faire l'inverse. Ne pas jouer des bonnes cartes, ne jouer que des bonnes cartes triées sur le volet. Par exemple, oups, c'est pas celui-là. On va prendre ces cartes ici. Voilà. Je suis au cut-off avec As, Valet en cœur. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe? J'ai de nouveau un de ses collègues 64-6 avec 36 mains, donc typiquement très passif d'une part parce qu'il colle et d'autre part parce qu'il joue beaucoup trop de mains. Dans cette situation, vous avez une carte, des cartes excellentes. Vous relancez 4 big blind plus l'adversaire. Il colle. Donc si je reviens au flop ici, il colle. Et ensuite, il donk. Ça veut dire beaucoup de choses. D'une part, une personne qui colle et qui donk après, qui fait une mise, quand en principe il n'est pas le joueur qui a fait la relance, c'est ou bien faiblesse, il veut savoir où il en est, il a peut-être un 8 ou un 7 ou quelque chose de ce type-là, un As, As 2, As 3, As 4. S'il avait un brelan de 7, un brelan de 8, il ferait pas ça parce qu'il checkera pour être sûr que je fasse ma continuation bet, bon, ma mise suite à ma relance sur le flop. Ici, c'est impression de faiblesse. Donc, je veux le garder dans le système, dans la mesure où j'ai un meilleur as, un meilleur as et qu'il continue à donner. Sur la turn, je reçois encore un tirage couleur, les nuts, tirage de nuts, donc de toute façon, je ne vais pas abandonner. Le check montre que mon estimation est correcte. Donc, je joue mes cartes et je relance moitié pot pour un peu le garder dans le truc. Et j'ai eu il fold, donc j'ai pas eu touché plus. Il avait rien du tout, il a simplement fait un essai. C'est un truc où on prend des notes dans un cas comme ça, une donk bet qui n'y signifie rien. Ce qui veut dire par contre, au fait, ne jouez que des bonnes cartes triées sur le volet. J'ai fait la sélection ici avec As, Valet de cœur, au cut-off, selon la starting chart, donc les cartes correctes, et j'ai relancé dans mon pourcentage réduit que j'ai au cut-off de environ 20%. Si vous regardez les statistiques que j'ai, c'est même que 16%. Donc je suis très serré au niveau du jeu. Jouer agressivement, ça on le voit dans cet exemple. Je le reprends ici, pre-flop. Si vous le lancez ici, si il faut ici agressivement relancer et pas simplement coller. Et ensuite aussi rester agressif. J'ai un autre exemple au niveau de l'agressivité. C'est l'exemple qu'on a déjà vu au départ. Au niveau de l'as et du roi qu'on a vu, je ne veux pas le remontrer. Pas de remords à vous coucher immédiatement lorsque la situation n'est plus profitable. Il ne vous êtes pas scotché à vos cartes, collé à vos cartes. On a vu dans les exemples précédents des situations typiques où les adversaires restent collés. J'ai par exemple ici. Attendez voir que je cherche. Voilà une situation où je ne reste pas collé à mes cartes. Je suis maintenant en no limit 25, mais ça ne change rien au fait.
Je fais une relance normale de 3 big blind. Je me fais coller par un 95 20. C'est un grand 90, 95 20 pour les Français. Donc quelqu'un qui colle avec n'importe quoi. Je trouve un flop ici complètement loin de ce que j'ai. J'ai aucun pic, j'ai que des cartes supérieures et ça peut très bien toucher. Si vous regardez les 4 sets qu'on a vu avant dans la sélection des cartes, ça peut très bien toucher mon adversaire. Donc aucune raison de faire une continuation bet. D'autant plus que si on regarde ici, continuation bet, le fold de 45%, il se couche très peu sur une continuation bet. Donc je ne cherche pas et je me couche, je ne cherche pas la petite bête et provoquer et faire des pertes inutiles. Donc ça c'est le genre de comportement qu'il vous faut garder, réfléchir, ça vaut la peine dans la situation en fonction des statistiques. Je fais une parenthèse ici, j'ai les statistiques de Holding Manager. Dans la vidéo qui suit, je partirai sur Elephant pour vous expliquer comment vous avez tracker gratuit qui est en très bonne qualité qui vous permet de faire ces estimations aussi avec un tracker sans devoir en acheter un comme je l'ai fait. Autre exemple intéressant pour le jeu ici, c'est le jeu avec mes cartes 8-8. J'ai une paire de 8 relativement tôt, je fais une relance à 4 big blind. Le collègue ici suit, ce qui n'est en fait pas de problème, et je reçois une relance de cette personne, de cet adversaire ici. Une relance à 42. Donc si je regarde maintenant la cote que je dois avoir, elle est la cote, je devrais avoir 9 à 1 pour faire un call ici, et c'est 9 à 1. Je dois mettre pratiquement 36 sur ce pot. Et j'ai jamais cette cote derrière moi, j'ai pas, non, je dois avoir 21, pardon, je dois avoir en tout cas 15 fois la relance que je dois avoir, et cette 15 fois la relance, je ne l'ai pas, donc j'ai pas la cote pour suivre, et la conséquence est je me couche. Donc ne pas penser que 8-8 c'est une excellente carte, même si la personne ici avec des statistiques 46-38 est plutôt maniaque, agressive. Vous n'avez pas la cote sur pour le brelan et prendre d'autres risques avec 8-8, ça vaut pas la peine. Par contre, un autre exemple où j'ai la cote, c'est les 9-9, et c'est ce qui, pour vous démontrer ce qui se passe, vous voyez que le collègue a une paire de rois, ça on ne le sait pas pour le jeu, ça c'est logique. J'avais relancé avec mon 9-9 et maintenant je dois remettre 1,75 et on voit les stacks, il a 30 dollars et j'ai 31 dollars, donc on a surstacké par rapport aux 5 big blind. Donc avec 1,75 x 2, j'arrive à 3,5, donc les 15 contre 1, j'ai à peu près la cote pour faire un call pour brelan, c'est ce que je fais, et miracle, je touche mon brelan. Ça arrive aussi. Et la cote, et en plus, un autre aspect, c'est une question de cote implicite ici qui joue un rôle. C'est pour ça c'est 15 contre 1. En ayant une paire de rois, il continue parce qu'il se voit toujours devant. Il colle. On voit qu'il a maintenant, avec le pot de 12 et 8, 20, 17, il a pratiquement plus qu'un, même pas un pot derrière lui. Maintenant, je le relance et là, il devrait réfléchir qu'éventuellement cet adversaire qui a fait un call sur sa 3 bête éventuellement, et en position en plus, il doit quand même être relativement fort. Il y va, il pot parce qu'il se voit commis au pot, et la compte implicite me donne un excellent pot en fin de compte. Donc, les 15 contre 1 ont été très bien payés comme exemple. Donc, pour en revenir à ça. Pas de remords à vous coucher, immédiatement la situation n'est plus profitable. Le plus profitable, c'est ça, c'est en relation avec les cotes. Donc si vous avez un tirage couleur et vous recevez une cote de plus de 4 contre 1,
vous couchez pas, vous collez, ou éventuellement vous jouez agressif selon la situation à votre adversaire, mais vous ne collez pas, vous avez la cote, donc c'est profitable. Si vous avez un tirage quinte et vous avez une cote de 3 contre 1 et vous êtes au flop, éventuellement c'est profitable de coller parce que vous avez une cote implicite. L'adversaire ne vous met pas sur une quinte. Si vous avez une quinte claire, immédiate, par exemple 4-5, vous avez 6-7 et il y a 4-5-8 sur le flop, s'il vient un 9 ou s'il vient un 3, la quinte n'est pas clairement définissable et vous avez une cote implicite. Donc ça, c'est tout des calculs que vous devez faire et des situations, estimations de situation pour savoir est-ce que vos situations est profitable ou est-ce qu'elle n'est pas. Mais ne restez pas scotché à vos cartes parce que vous avez l'espérance que l'autre bluffe. Aux basses limites, les gens bluffent relativement peu et ils bluffent au mauvais moment. Ça nous mène au prochain thème, bluffer peu et seulement dans les situations qui prêtent. À mon avis, bluffer dans une situation qui se prête est typiquement le blind steal. Vous êtes dans une situation comme celle-ci, voyons voir ici, vous vous trouvez au bouton, vous avez des cartes bonnes, normales, c'est en principe un semi-bluff, et quand vous arrivez à cette situation, tout le monde se couche, vous relancez. Vous pouvez, bon, les cartes 9-10 sont très bonnes, elles sont même dans l'ordre de la starting hand chart pour faire cette relance. Mais vous pouvez aussi jouer des cartes plus mauvaises en fonction de vos adversaires. Si les adversaires sont très serrés, ce qui n'est pas le cas ici, j'ai ici dans les steals un steal de 50%. Il se couche que 50% et celui à 67%. Dans cette situation, je ne fais pas des vols de blind sans avoir des cartes qui me permettent de continuer à jouer après. Le 9-10 est excellent, à mon avis, c'est quelque chose qu'on n'attend pas. Bon, le blind steal a joué, je me suis trouvé, j'ai gagné mes blinds. Dans cette situation, c'est typique un bluff. Un autre exemple, attendez voir, voilà ici. Dame valet non suité au cut-off. Je fais une relance et vous voyez, à 3 big blinds, il n'y a pas 4 big blinds. Parce que je veux avoir mon bluff relativement bon marché. À 3 big blinds, il faut que j'aie 67%. Et on voit ici, bon, ça c'est un nouveau, où il n'a jamais eu un blind steal. Ici, il y a 100% de chance qu'il s'est couché sur 10 mains. Donc, même si les chiffres ne sont pas représentatifs, il y a beaucoup de chances que mon bluff soit couronné de succès. Voilà pour les bluffs. Ne faites pas des bluffs inutiles. On a vu dans les exemples au départ, avec la 7 en pique, ça ne vaut pas la peine de bluffer. Vous perdez beaucoup d'argent. Un autre point, ne pas bluffer dans les gros pots. J'ai ici un exemple à 7. Ben, il est là. J'ai ici à 7 suité que je relance au hijack, donc la position avant le cut-off. Là, je fais 4 big blinds comme selon starting hand chart, et puis j'ai le bouton qui colle. C'est une situation que j'apprécie pas trop. J'aurais pu m'estimer que le bouton, les 86%, il va coller, même avec ses mains. La situation est telle que, même avec A7, 86%, il y a beaucoup de chances que je sois devant en fonction de la situation. J'ai ici un roi 5, 4 et un tirage carreau. Je fais une continuation bet en représentant le roi pour savoir, bien que après coup, ça c'est une erreur à mon avis, mais en fait, j'aurais déjà pu continuer. Il colle. Donc là, il n'y a pas de problème. J'abandonne. J'essaye de pas faire grossir le pot. J'abandonne et je fais pas de bluff non plus. Donc, et je laisse et je me couche. Donc, ça, c'est un peu la représentation de quelques règles qu'on a vues avant. Non pas seulement pas bluffer dans des gros pots ou pas bluffer dans un pot. Simplement, c'est aussi
se séparer de sa main quand c'est pas nécessaire. C'est un exemple ici que j'ai ici. Ensuite, on a le point suivant, adapter son jeu aux soins, avec soin à sa position de la table. Ça, c'est aussi quelque chose de très important dans l'exemple. Deuxième as roi. Je trouve ça, ben cet exemple, on l'a déjà vu, hein. Je constate. Vous avez cette situation où la position est telle que je me suis. Attendez voir. Je suis en hors position. Je ne fais pas des 3 bêtes sur, 4 bêtes sur un 3 bêtes. Je suis prudent. Je check. Et là, je deviens agressif en pensant que je suis devant vu que j'avais éliminé et puis que j'ai la personne ici. La personne ici qui joue en principe mal en fonction de ses stats. On a déjà discuté cette main au départ. Voilà que pour ces exemples, adapter son jeu avec soin à sa position à la table, c'est-à-dire une fois que vous êtes hors de position, ne faites pas des gros exercices. Vous jouez prudemment et vous vous lancez pas dans des risques inutiles. Donc, faire l'inverse, le principe, vous suivez une bonne gestion de bankroll, ça c'est la base qu'on a vue dans la vidéo numéro 1, pour permettre de faire une action dont vous savez que c'est la bonne, sans avoir craint le fait que vous perdez tout de même la main de temps en temps. Donc, il arrive quand vous allez perdre, que vous perdez les mains, il arrive que vous perdez aussi plusieurs mains qui font que vous avez ce qu'on appelle un downswing, vous descendez. N'ayez crainte de jouer, essayez de jouer votre jeu selon la stratégie Big Stack. Et la bankroll que vous avez derrière vous, si maintenant vous jouez par exemple NL2 et vous avez 80 ou 100 euros ou dollars avant de passer à NL4, ça fait pas de mal si vous perdez 2-3 fois de suite de dollars. Donc là, le buy-in que vous avez pris à la table. Parce que vous n'avez pas fait une grande perte. Ça, c'est important. La gestion de bankroll ne vous met pas la trouille au cul, comme on dit. Vous jouez votre jeu sans tenir compte du fait que vous êtes de temps en temps en train de perdre et de temps en temps en train de gagner. Donc, je résume. Vous jouez serré. Vous avez le VPIP, ce montant volontaire que vous mettez dans le pot. Qui ne dépasse pas la valeur de 15 pour nos limites full ring, donc pour une table à 9, ou ne dépasse pas 20, 22 pour les short-handed. Vous jouez agressivement, vous collez peu la relation entre votre VPIP et le PFR, le pourcentage de relance que vous faites, il est très proche. Par exemple, vous avez pour full ring 15-12 ou pour short-handed, vous avez 20. 20, 16, 20, 17, et vous jouez la position, c'est-à-dire si vous regardez vos statistiques en position, cut-off, bouton, elles sont beaucoup plus élevées que les statistiques, les jeux que vous faites au début de parole, quand vous êtes tout au début, même au milieu de parole. Vous savez ce que c'est être en position et savez profiter de l'avantage que vous avez. De la position. J'ai maintenant terminé avec la première partie de la deuxième partie. J'espère que vous avez pu suivre et que vous avez compris. Discutez des mains, des exemples que j'ai fait dans les commentaires. Je les regarderai régulièrement et je me réjouis de vous retrouver dans la deuxième partie de la deuxième partie. C'est Steipil 0104 alias Daniel pour PokerStrategie.com, un peu nasillard. À cause de la saison.